C'est le rassemblement hebdomadaire des familles de disparus qui est là tous les mercredis depuis 1998. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées dans les années 90 dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées de leur domicile. Mon fils a été arrêté dans la rue, dans le quartier, dans la cité. Moi, on m'a pris mon fils, je demande où est mon fils. Maintenant, ils disent que tout le monde est mort, qu'ils me rendent son corps. Je voudrais voir celui qui a pris mon fils en face et lui dire, maintenant, t'es content d'avoir fait ça? On sait que nos enfants sont encore en vie. Ils sont vivants. Et ils nous ont dit de les oublier. Ils ont dit qu'on vous donne l'argent, et il faut oublier ces enfants. On ne prendra jamais l'argent. C'est nos enfants qu'on veut. C'est pas l'argent. S'ils veulent l'argent, moi je leur donne l'argent. Mais je veux mon fils. Ça peut pas, une société ne peut pas se construire comme ça. Une société ne peut pas se construire sur des bases saines. Parce qu'un jour ou l'autre, ça explose. Et ça explosera en Algérie. Moi, je savais que ça n'allait pas le prendre cette fois-ci. Parce que bon, il y a encore un peu de méfiance. C'est la peur de se faire manipuler comme ils l'ont été dans les années 90. Là, on a divisé la société. On divise la société pour pouvoir régner. Mais jusqu'à quand? C'était terrible parce que j'étais vraiment au bord de la dépression nerveuse. Je suis partie voir mon médecin. Il m'a donné une tonne de calmants, des gros comprimés comme ça, je me rappelle encore. J'étais bonne à rien. Et un jour, mon fils, il vient dans les rêves, il me prend par les épaules, il me fait « Maman !» Il me secouait dans le rêve. Dans le rêve, il me secouait. Il me dit « Maman, réveille-toi, Nandé, lève-toi, tu n'as pas le droit, je suis là, tu n'as pas le droit, je suis là. » Il me secouait, et je me suis réveillée. D'un coup, je me suis réveillée, je croyais qu'Amine était là, j'essayais de l'attraper. Et puis je me suis rendu compte que c'est un rêve. Et puis voilà, je me suis levée, j'ai jeté les médicaments à la poubelle, allez. Et puis je suis allée voir Amnesty International, je suis allée voir la Fédération, la FIDH, je suis allée voir la Ligue française des droits de l'homme, j'ai été voir notre famille. Et on a constitué ce collectif. Voilà. C'est comme ça qu'est né le collectif des familles disparues en Algérie. Les Algériens savent que c'est les généraux qui gouvernent le pays, les Algériens savent que c'est eux qui ont bouffé le pays, que ce sont les généraux qui bouffent le pays, qui se sont remplis les poches, l'argent du pétrole, ça va dans leurs poches ou dans leurs comptes en banque en Suisse et aux États-Unis et partout. Ils le savent, ça. Et là, pour ça, ils vont être solidaires. Si demain on dit pour les généraux, pas Bouteflika, il leur a apporté la paix. Mais si on dit les généraux, oui, je pense qu'ils vont marcher. Mais qui aura le courage de le dire, je ne sais pas. Let's fight!
Ah, 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 ah.